Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Bellicus, site et forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie et de tactique, c'est mon petit patapon et aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la campagne de Mundus Bellicus Flying Circus sur cette petite perle qu'est Battle Brothers. Alors on y va, on avait la mission d'aller au Cemetery of the Restless, et ben c'est parti. Oula, par contre là il y a des undead, pas cool là. Pas cool ça. Alors, on va d'abord se poser parce que il n'est pas encore tout réarmé, ni même, hop là, soigné. On n'a pas réparé les armes. Pungrace, le malchanceux, has always been a bit tight. Ouais, ah oui, d'accord, donc il mange peu, donc ça m'inquiète. Et je veux lui amener de la bouffe, puis je me dis, bon après tout, il fait ce qu'il veut, hein. Puis je me rends compte qu'en fin de compte, c'est pas un gros mangeur. Voilà. Évidemment, si je le force à bouffer, je crois qu'il est un peu dégoûté ou je sais pas quoi. Allez, on va aller attaquer le Cemetery of the Restless. You enter the graveyard to find the grave robbers right where Amber of Saxdorf took they'd be. Knee deep in someone else's afterlife, drawing your sword, you tell them to put down whatever jewelry they think they are going to make off with. One of the men stand up, arms raised, and make its case. Before you kill us, can I just say something? We have a map. I know it sounds like a lie, but just hear me too. We have a map that can lead to immense treasures. You let us go and I will give it to you. D'accord. Give it to you. Kill us et puis vous la verrez jamais. Ok, je prends la map. Allez, barrez-vous. Abandonnez Struggle. Ouais. D'accord. Alors, moi je vais retourner à Saxdorf. C'est parti. Alors, ce serait bien que je touche les thunes, là. Par contre, il y a intérêt à être vigilant, parce que si jamais il y a des... Tout à l'heure, il y avait 16 morts-vivants qui se baladaient, là. Oh, Amber of Sardox, Percy's Lips. You put me in on the hotspot mercenary. You tell me the grave robbers are taken care of yet. I have no proof. Usually dead men leave a lot of proof, especially one hastily slain before the time. I will pay you half, d'accord, and you'll take that then leave. Next time bring proof. If you're lying, well, I figured that out of my own. Bon, ok, on a touché que la moitié, 537. Et j'ai rien à vendre. J'ai pas beaucoup de bouffe. Mais il y a un contrat qui se profile. Alors, Sir Theodrich von Gunbald, take a switch of Rhine and Burps, ouais. Oh, par contre, alors là, voilà, quand vous avez vu, il y a des petits crânes là, qui apparaissent maintenant depuis la mise à jour. Plus les crânes sont importants, et plus il y a de crânes, je veux dire, et plus c'est dangereux. Alors, donc là, 3, c'est très dangereux. 1 étant le moins dangereux. It's a pretty simple tax, just go to Stolen. Ah non, 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 je vais pas faire ça. Pas pour le moment, je suis pas assez armé. C'est une patrouille de ville en ville, et non, désolé. Je vais pas faire ça. Alors par contre, il me reste 2 jours de bouffe et 5 jours de paye. Combien? 92. Ah ouais, putain, les salauds me coûtaient cher. Ouais. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Il me reste 5 jours de... Ouais, bon, ça va. Hop là. Alors, où c'est qu'on va? Allez, on va se faire le tour des petits villages, là. Alors, évidemment, la map, on va pas y aller tout de suite, hein, parce que on n'est pas assez blindé, à mon avis. Si on y va, on va tomber sur des trucs genre fantômes mort, ou alors héros étant tombé, je sais pas quoi, enfin bon, et squelette aussi c'est pas mal. On n'a pas le niveau et puis de toute façon on n'a pas les armes pour, évidemment, et squelette il faut y aller à la hache ou à la masse d'armes pour les exploser, et là pour le moment j'ai pas ça. Alors, il n'y a pas un village ici, si, il y a Allen, allons voir ce qui s'y passe. Ah, il y a un contrat. Very well, Lord Lothar the Wills. The Wiz welcome you, waving you in. Very well. Know that you are here. Will you please shut the door behind you? One of the men's guard pokes his head around the corner. You smile as you slowly shoot him out. Turning around, you find Lothar the Wiz walking toward the windows. He stares out as he talks. I need something. It's well, you don't need to know what it is. Mm-hmm. I need this something delivered to a fellow ah, c'est d'accord. Donc il veut que je livre un truc. Ok, alors on y va. Combien? 330. Je veux plus. En avance. 90, ça ferait 400. Je veux plus à l'arrivée. Ouais, 400. Mm-hmm. Pour transporter un truc, j'ai quand même deux têtes de mort. Ouais, j'accepte ton offre. Une Lonnenberg en nord-ouest. En plus, ça tombe bien, c'est exactement là où je voulais aller. Ah non. Ah si, ah ouais, c'est loin quand même. Bon. Combien de bouffe? 3 jours. Hein, 6 jours de machin. On va attendre ici, oui pardon on est là, on va attendre ici, on va camper. On va ensuite, et bien alors j'ai dit que je voulais camper. Et ensuite on va aller voir dans Allen ce qu'on nous propose. Hop là, voilà, c'est l'aube, allons voir ce qu'il y a à acheter. Pas grand chose d'intéressant, 91, le problème c'est que je n'ai pas de thune. Et en soldat c'est quoi? Ah, il y a un archer quand même. Il coûte 495, donc c'est pas la peine. Ok, on se casse. Hasta la vista. Alors là, on va aller à Cochenland. Le pays des cochons. Alors, on y va. Cochenland. Go. Tac. Et bien alors, on est parti. Oh, Vassis Das. Ah, peut-être intéressant avec la tèche. On y va. Est-ce qu'on est en bonne forme? Oui. Ils sont 3. Bah oui, allez, on y va, on les poursuit. Allez, on va se les faire. Ils sont que 3. Et pourquoi je les rattrape pas? Alors, en tout cas, ils me font... Oui, on va les péter. Tac. Tac. Allez, Bandit Tug, a few Bandit Raiders. Allez, on vous engage, les enfants. En plus, je crois qu'on va se battre dans les marais. Me dis pas qu'ils vont s'enfuir, les lâches. Ah. On dirait que le jeu a planté. Bon, c'est pas bien grave. On va résumer un coup, on va voir. Non, j'ai l'impression qu'il a planté. C'est pas grave, puisque de toute façon, il y a une sauvegarde automatique juste devant la bataille. Donc on va se replier. Hop, et on va recharger. Voilà. Et normalement, ça devrait passer. Je sais plus du tout c'est qu'on est. Là... Et là, on les attaque. C'est parti. Et là, ça me fait la même. Non. Ok. En plus, on va avoir tout le temps de les arroser. Alors. Sauf qu'il est trop loin. Voilà. Toi, tu viens là pour le moment. Et ici. D'accord, tu veux pas aller plus loin, ok. Eh ouais, on se bat dans le marais, c'est pas cool. Viens là. Viens là, et tu te protèges. Toi, tu te protèges parce qu'il va pas manquer de nous coller. Viens ici, toi. Tu bouges pas. D'accord. Allez, bien joué. C'est qui s'est foutu ce salaud? Oh oh, ça arrive là. Il y a l'arbre qui le protège, mais voilà, joli. Tu te prépares. Tu attends. Ils veulent jouer avec cache-cache, hein. Ah, j'aurais dû t'avancer peut-être un peu, on va voir au tour d'après. Et toi, viens plutôt par là. Je sais pas, c'est très malin ce que je fais. Allez. Dommage. Pas très précis cet arc, hein. Enfin, c'est surtout moi qui merde, puisque c'est mon avatar. Oh le salaud. Raté, dommage. Attends, attends, il va venir. Bouge pas. Dommage. Protège-toi. Ça arrive de ce côté. Feu. Ah, tu vas pas être assez rapide, bordel. Viens le contrer. Ah, pas bon. Bien. Je peux pas y aller. Lui il va venir. À tous les coups. Ah non, il a encore des H2G, le salaud. Joli coup. Dommage. 36, combien? 35, 28. Allez. Dommage. Ah, pas bon. Le bouclier a sauté. Le bouclier a sauté. Bien. On recule un peu parce que l'autre il va t'en jeter une sinon. Avance. Collision 1. Protège-toi. Ah, à part frapper, il peut rien faire d'autre. Il a bien frappé en marque. Ouais, mais je pourrais pas frapper après. Au coup d'après. Allez Galadas, à toi de jouer. Ah, une chance sur 5, c'était pas facile. Un par là, mais tu vas arriver trop tard, je présume. Allez, là c'est le moment. Voilà. Moi, ce serait bien que je le touche. Ah non. Protège-toi. On peut pas aller plus loin. Protège-toi. Je vais te mettre derrière l'arbre, toi. Toi aussi par là. Ah, tu peux pas. Hop, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Il recule, il recule. Allez. Ah, il est trop loin. Eh oui, il est trop loin. À mon avis, il va se barrer. Il va réussir à se barrer. Il va réussir à se barrer, les gars. Sans aucun doute. Oh, tu vas t'en prendre une bêtement. Ouais, je crois qu'on va le laisser fuir. On le rattrapera pas. Si j'avais eu des chiens encore. On va le laisser s'enfuir. Voilà. Personne ne monte de niveau, bon, dommage. Par contre, on ramasse un peu d'argent. Ouais, bon, ça c'est bien. De la bouffe, des trucs qui se revendent. C'est un oui bien. Alors, où c'est qu'on doit aller déjà? Somme Bandit Tug. Ah. Ça peut être intéressant, là, d'aller attaquer ça. Ça peut être très très intéressant d'aller attaquer ça. Réfléchissons. Où c'est qu'il faut que j'aille déjà? Là-haut, bah, c'est sur mon chemin. Ouais. On va venir là déjà. 3 heures. On va camper un petit peu. On va ressortir. Ok. On va leur péter la gueule. Allez, on y va. On y va. Joli. Joli. Ah, il a pas de bouclier, lui. C'est vrai. J'oubliais qu'il s'était fait démonter son bouclier. Non, on attend. On attend. Non, il va se déplacer que de 2. Lui, là, par contre, j'ai peut-être intérêt, lui. Mais là, non. Pas, toujours pas. D'ailleurs, j'ai peut-être pas intérêt de le mettre, lui, non plus. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Toi, par contre, oui. Bouge pas. Bouge pas. Du coup, ça vaut le coup. Ils sont trop loin, mais c'est bon pour le prochain coup. On les attend. Allez, venez. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bien défendu, les gars. Bon, ce serait bien d'achever celui-là. Oh, raté. Allez, feu. 29. 34. 33. Bouclier, dommage. Encore bouclier. Ah! En position. Toi, t'attends. En position. Toi, t'as pas de bouclier, ça va être chaud pour ta gueule. Oh, protège-toi. Toi, tu attends. Foiré. Il est en train de me casser mes boucliers. Merde. Décapite-le. Non, ah bon, d'accord. J'ai cru que je l'avais. Oh. Voilà. Bien joué. Allez, reviens-y, toi. Ah. À la fourche. On le repousse pas là. Allez, crève-le. Allez, le fourreur de main gauche. Quand je vous dis qu'il a deux mains gauches, cet homme. Hop. Toi, tu viens là. Punk. Voilà, dommage. Toi, tu me protèges. Achève-moi le. Si tu peux. Dommage. Approche là. Raté. Raté. Ou pas raté. Ah, j'aurais dû péter le bouclier. En même temps, son bouclier m'intéresse. Tes premiers tirs étaient plus jolis. Moi aussi d'ailleurs. Alors si je fais mieux. Ah, pas mal. 42, 54. Putain. Bien. Pas cool. Protège-toi. Bien. Allez, à son petit frère, là. Joli. Collez en une. Dommage. Dangereux, là, ce que j'ai fait, mais bon, ah, ça va. Il devrait s'en sortir. Ouais. Voilà, c'est la tête qui a été découpée. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Quand la tête, elle part comme ça, là. C'est beau. Tiens, raté. Merde, je suis trop loin. Ouais, on peut peut-être essayer sur lui. Un petit coup. Dommage. Allez, approche là. Ah, je peux pas frapper. Allez, à toi le fourreur. Raté. Deux mains gauche. Ton bouclier, c'est un bouclier de merde. Mais, ah, tu peux pas t'approcher. Allez, un petit coup dans sa gueule. Allez, Punky. Oh, Punky. Ah. Là, faut l'achever, Diablotis. On compte sur toi. Oui, il s'enfuit, c'est bon. Avance. Ah ouais, colzi au cul, je peux pas. Voilà. Et crac. Et boum. Et voilà. Ah, il y a du monde qui monte. C'est bon ça. Ah oui, ça c'est bon ça. Ouf, oh du sel. Oh oui, 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 oui. Alors, voyons un peu ça. Par contre, j'ai plus de flèches. Aïe, 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 aïe. Lui, il en a. Lui, il en a. Ok, assez pour un combat. Alors, toi, tu vas me rééquiper de ça. Voilà. Ok. Alors, toi, on va te monter quoi ? J'hésite. Allez, je te montre ça. Et ensuite, le fourreur de main gauche. Tac, tac, tac. Bien. Du coup, tu vas pouvoir t'équiper. Ah, ah, ah. Déjà de ça. Et d'une épée. Ouais. On continue ici avec Silès. Alors, toi, on va te faire cogner plus fort. Et on va te monter tout ça. Bien. Et Godwinson, on va te faire cogner plus fort aussi. Et on va te faire monter. Toujours pareil pour le moment. Et du coup, tu te retrouves avec un 100. Donc, il est peut-être intéressant de t'équiper de ça. Yes. Quant à toi, camarade, un truc pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. 89. Prends-le. Par contre, ils n'ont plus de javelot, mes bonhommes. Toi, tu as quoi comme arme? Une épée. Toi aussi. Peut-être mieux te fier une hache aussi, toi. De toute façon, ça ne pèse pas plus pour toi. Hop. Allez, on se casse. Et on se dirige donc vers... Alors là, on a dû avoir des blessés. Et ouais. Et ouais. Et on se dirige donc vers... je sais plus. Ah non, c'est au nord, pardon. Oui, c'est là. C'est parti. La musique est vraiment très bonne. C'est la nuit, donc il n'y a pas grand chose à voir. Peut-être pour un contrat. Jeter un coup d'œil. Ouais, il y a un contrat. Ouais. Ok. Allez, on va aller à Gerbord maintenant. De flèche, ça c'est pas cool. Faire un petit tour là. Là aussi un contrat possible. Marqué de place. Allez, on vend. On vend, on vend. Allez, je vends. Je vends, je vends et je vends. Ah, il y a un chien. Et une arbalète. Ils sont chers ici, hein. Puis ceux qui sont pas chers, ils sont pas très bons. On se casse. Un chien peut-être. Un chien, pourquoi pas. Putain, ils sont chers leurs boucliers, hein. Ah mince, faut que j'équipe un de mes bonhommes du chien. Alors, en général, hop, allez. Hans the Spectator, tu as le Rex avec toi. Ok. On peut acheter des armes. Intéressant ici, hein. Mais pour le moment, on se casse. On va à Lonnenberg. Pour la bouffe, je suis bon ou pas? Ouais. Ah, c'est limite, hein. Au niveau des... la médecine et de... et de l'armement. On la bouffe 3 jours. Ah, voilà mes sous-sous. After some looking, a man asks you who you are looking for. When you say Emmeridge Elder, he points you out toward a nearby paddock where a man is strutting about a rather opulent-looking horse. You walk on over, and the man rears the steed and asks if that's the cargo Lothar the Wise sent. You nod. Leave it there at your feet. I'll come and get it. You don't. Instead asking about your pay. The man sighed and whistles to a bodyguard who hurry over. See to it that this Salesworth gets the pay he deserves. Finally, you put the crate on the ground and make your leave. Ah, il y a un contrat aussi. Un weaponsmith. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Un tailleur. Et un autre archer à 1500. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas de bouclier. Ah merde. Bon, en tout cas, il y a des munitions. Et il y a de la bouffe. Il y a de quoi soigner, c'est un peu cher, mais je prends. 240. Ah, bah c'est moins cher, je prends aussi. Il me reste 600, il me reste 7 jours. Et 4 jours de bouffe. Ok, qu'est-ce qu'il nous propose comme contrat, le monsieur? A man walk up to you and hold the scroll halfway between he and you. My name is Gerald, representative of Raymond the Councilman and speaking on behalf of the good people of Lonnenberg. We seek your service, mercenary. You find Raymond the Councilman reading a scroll. He throws the paper at you and asks you to read off the names. The handwriting is difficult, but not more so than the names themselves. You stop and apologize, stating you are not from this part. The man nods and takes the scroll back. Tis alright, Salesworth. If you were wondering, those were the names of men, women and children who have passed in the last week. Last week? There were a lot of names on that list. The man seeming to read you. Nobbs somberly. Ouais. Aye, we are in bad way. So many lives lost. We believe this to be for the work of full creatures, bits beyond of ability to reason. Obviously, we'd like you to go find and destroy them. You'd be interested in such a task, mercenary. Combien il paye? 170 d'avance et 260 quand le boulot est fait. Je veux plus d'avance. D'accord, et je veux plus après. Ah, c'est 500, allez, j'accepte. Undown that terrorist Lonnenberg. Bon, bah ça va être encore des... Je présume des... Il est bien dommage que je puisse pas prendre un bonhomme de puce, là. Je présume que ça va... pardon. Je présume que ça va être des... des loups là. Pardon. 700, je peux pas me le payer. Je me prendrai. Ah, je ne sais comment faire. 136. Le problème, c'est que si je le prends... Et ouais. À moins que j'y file une fourche. À lui aussi. Ça m'en ferait 3 la fourche. Voyons ça. Allez, bienvenue à toi. Je sais pas qui d'ailleurs. On va voir ça. D'abord, je vais te prendre une fourche, camarade. Voilà. Et donc, c'est donc... Melitas qui nous rejoint avec une fourche à la main. Hop là, Melitas, on va l'appeler le bravache. Melitas le bravache. Dès que je peux... Ah, on va voir peut-être qu'on peut peut-être t'équiper d'une arme... D'une armure, pardon. Ah non, il n'y a pas d'armure. Un capel. Il est chez RS60. Allez, ça suffira. Alors, on doit chasser ce qui terrorise la ville. Eh, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ah, surtout pas dans les bois. Allez. On suit les traces. Pas la nuit non plus. Pas la nuit, j'ai dit. Qu'on puisse utiliser nos archers, notre arbalétrier. J'aimerais bien trouver un deuxième arbalétrier. Allez, maintenant les courses. Il n'y a pas des troupes ici? L'aube. Il n'y a pas de troupes. Ah! La compagnie là, oh regardez, les BD. Putain, je vais pas les rattraper ces là. Allez. Ils sont 4. Oh putain, d'entrée il m'arrive dessus, enfoiré. Oh là 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 là, va falloir découper ça à la galache. D'entrée, ils sont sur nous. Combien? 37, 25, 23. Pas bon. Bien. Pédis sa gueule, dommage. Là, ça va être très chaud pour toi, mon gars. Protège-toi maintenant. Là, je peux pas faire grand chose. Allez. Bien. 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 Je pourrais peut-être lâcher le chien. Lâche le chien. Il va se faire démonter, mais tant pis. Bien joué le gars, bien joué le chien. Il a bien résisté sur ce coup-là. Là, ça va être chaud. Ah, c'est qui prend, là? Blondin, Blondin. Pas Blondin. Ah, raté. Blondin, il prend mal. Oh. Allez, tente le coup. Ah, mais de toute façon, si je le repousse... Il a presque plus de vie. Cogne-le. Ah, ça ne fait pas paniquer, celui-là. Et pourquoi donc? Et ouais, il y a lui qui va nous casser les couilles, là. Blondin, je crois que ça pue pour toi. Ah putain, Blondin est mort. Putain. Ah, le chien il sera battu héroïquement au moins. Quand il se replie du coup, et il y a lui ici. Ok, colle-lui. Voilà. Tu attends. Oh putain. C'est pas gagné ça. C'est point gagné du tout. Ah, pourquoi j'ai... C'est bon, je peux encore jouer. Redoutable, ces putains de bestioles. Fallait pas rêver. Collision 1. C'est l'armure qui a pris. Bien, encore. Ah là, c'est dangereux. Quatorze. 18. Allez, petit sa gueule à lui. Merde. Oh. Allez, vas-y. Achève-le. Bien. Protège-toi. Frappe. Tente le coup. Ah, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes impunément. C'est bon, c'est passé. Voilà, et ben on a eu Silès Blondin qui est mort. Pas cool. Moi je monte et il y a le Croix-Moisi, Pyro Vengeur qui monte aussi. Et ça, ok. Bon, et ben voilà. On peut revenir à Lonnenberg. The bed slave, you order the men to take their pelt as evidence. Your employer, Raymond the Councilman, should be most happy to see them. Oh non, c'est là qu'on va. Il y a eu des blessés en plus, hein. Ça va. Ouais, ça va. On va toucher 290. On a toujours plus de flèches. C'est-à-dire qu'à chaque fois... a whistling man ambled down the road, a sherry dog huffing as it side with his tongue lol. D'accord. Seeing your troop, he stabs his walking stick into the dirt and tends his hand atop it. D'accord. Some small talk is made of the weather, notably that rain is in the belly of some oncoming cloud. He asks if mayhaps he could dodge the rain in the company of Salesworth. A strange request, no one usually made to men who earn blood money. Allez, rejoins-nous! You sit about a fire, the rather unfortunate looking man stares into the fire as he talks. Higher the rich folks have got this thing that let them see what they look like, mirrors. Hi, that's his name. Wish I had one. I hadn't seen my own face in, well ever, maybe a bit a look when starting into a spawn upon I guess. We got a mirror right here. The man stared into the mirror like he was watching his own death. He rubs his shin and turns his head desperately, looking for some angle that won't disappoint it. I'll be damned if my mother and the biggest lairs that ever walked the earth. D'accord, ok. Look at that ugly mug. Pas de chance. He hands the mirror back and can't help but log at his unfortunate village. Well, I suppose I no longer have to wander with my one woman folk run from me. You're welcome. D'accord. Bon, bah, il était moche. Et voilà, on les a eus, et donc on touche 290 couronnes. D'accord, 814. Ah, c'est encore des flèches qu'il faut que j'achète. S'il vous plaît. Des flèches. Yes. Combien? 7 jours en bouffe, 3 jours. Allez, je prends. Au niveau ça, on est bien. Là, on est bien. Ok. On se casse. Et vamos, Gerbord. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Alors, on monte de niveau. Allez, on va te monter ça. Quant à toi, on va te monter la force aussi. Tac, et comme d'hab, clac, clac, dans un premier temps, et clac. Et pour moi, œil de taupe, qui touche rien. Ouais. Je vais prendre range défense parce que je suis quand même souvent tiré dessus de loin. Ah, on aurait peut-être pu t'équiper Melitas. Ah bah non, c'est vrai qu'ils avaient rien à vendre. Faudrait choper un tailleur. Avec un tailleur, au bout d'un moment, on peut il y a des events qui vous permettent, avec les fourrures, de vous faire des armures assez sympas, pas trop lourdes, et assez sympas. C'est la nuit, eh bien on va dormir. Et puis bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser parce que ça fait presque une heure d'émission. Et ben je vous dis à toutes et à tous à la semaine prochaine et puis à bientôt sur mundusbellicus.fr. Ciao ciao.